Pour nous, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Pour nous, la propriété individuelle est quand même beaucoup source de tensions, de conflits entre les personnes, dans la famille même. Et ça, on n'en avait pas vraiment... On n'avait pas envie qu'il y ait des tensions. Quand on a hérité de la ferme, on devait payer des droits à l'État qui étaient quand même de 270 000 euros, somme qu'on n'avait pas. C'était que la ferme ne soit jamais revendue, que ce soit toujours une ferme agricole. Les enfants qui étaient déjà installés quand on a transmis la ferme à Terre de Liens continuent à faire des céréales, de la bière, du maraîchage, et ils vendent leurs produits à 100% à 20 km d'ici dans un point de vente collectif. Sur une ferme Terre de Liens, c'est quand même très différent d'une ferme personnelle, particulière, où bien sûr on peut être responsable, mais à une échelle très restreinte. Alors que dans la collectivité, la responsabilité, le sens des valeurs est beaucoup plus large et beaucoup plus fort.